On est à Paris, mon album sort bientôt. Les Inrocks. Rock. Yeah. Mon album culte, ce serait Around the World in a Day de Prince. Vraiment pas un des préférés des fans de Prince, mais là-dessus, il y a Raspberry Beret. Il y a plein d'expérimentations avec comme un peu la musique des années 60, un peu genre la musique psychédélique, des trucs avec de la musique, je sais pas, musique indienne, genre musique du monde, puis moi, ça me plaît, genre, ça me plaît de voir Prince essayer un peu faire ce qu'il veut, puis se foutre des conséquences. Fait que, ce serait mon album culte. De mon artiste culte, mon album culte. Chanson culte du moment, ce serait Short Texas de DJ Screw sur l'album All Screwed Up Volume 2. Chop and Screwed, Houston, pour ceux qui connaissent. Puis si vous écoutez avec des écouteurs, la façon que cette chanson-là est comme produite avec le côté gauche puis le côté droit, c'est comme. J'arrive même pas encore à comprendre à quel point c'est incroyable. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais c'est insane. C'est malade. Ouais, ma rencontre culte, ce serait avec mon ami Kirin, qui était d'ailleurs en France qu'on s'est rencontrés, lors du festival Pete the Monkey. En fait, il m'a, on s'est regardé, mais on s'est pas parlé cette journée-là. Puis après ça, moi, quelques jours plus tard, je lui ai écrit sur Instagram en disant que j'étais en studio, j'étais au Red Bull Studio à Amsterdam, puis que j'avais envie qu'il passe travailler avec moi. Puis, je m'attendais à ce peut-être qu'il réponde pas parce qu'on ne s'était pas parlé. Puis finalement, lui était en Italie à ce moment-là. Puis il a dit, ah, oh, c'est parfait, j'embarque dans un avion, je m'en viens. Puis une journée plus tard, même pas, il était à Amsterdam, on était ensemble. On a travaillé sur de la musique. Plus tard, ben, Kirin a travaillé sur mon album. On s'est revus plein de fois après. Il est venu à Québec chez moi. J'étais allé à Los Angeles avec lui. On est allé à New York ensemble. Peut-être une des rencontres cultes dans ma courte, très très courte carrière. Yes,